Bonjour, je m'appelle Paco, je suis étudiant en deuxième année de BTS économie sociale et familiale à la Cadenelle. Donc moi c'est Manon, je suis également dans le même BTS que Paco en deuxième année. Et moi j'ai fait un bac pro service aux personnes et au territoire. Ensuite j'ai travaillé en tant qu'auxiliaire de puériculture et puis après je me suis réorientée sur ce BTS. Donc le BTS économie sociale et familiale est une formation qui propose de l'enseignement théorique mais en même temps de l'enseignement pratique. Ce qui fait qu'on a la possibilité de faire de la production de projets et on a eu la chance et l'opportunité de travailler sur une action pour le cancer du sein. Ensuite, on a aussi eu l'opportunité de travailler sur une semaine éco-citoyenne où on a mis en place plusieurs petits ateliers un peu partout dans le lycée avec des professionnels qui nous ont accompagnés et avec qui on a travaillé en collaboration pour pareil sensibiliser sur tout l'aspect écologique. Donc moi, pour mon stage de deuxième année, j'ai effectué ce stage dans un service de préorientation pour les personnes en situation de handicap. C'est un service qui permet l'évaluation des travailleurs handicapés afin de les orienter vers des dispositifs adaptés à leur handicap. J'ai effectué mon stage de deuxième année dans une association de réinsertion socio-professionnelle qui s'appelle le CIRES à Marseille. Donc c'est une structure qui accueille un public à majorité immigré, qui a de lourdes difficultés avec la compréhension et l'expression du français et qui cherche une place sur le marché du travail ou de l'éducation pour les plus jeunes. En me renseignant sur les différents établissements qui proposaient le BTS ESF, je me suis intéressé particulièrement à la Cadenelle, notamment parce que c'est dans ce lycée qu'a été créé le BTS économie sociale et familiale. Donc j'y ai vu une opportunité pour vraiment découvrir la formation dans son entièreté avec les meilleurs professionnels possibles. Pour moi, j'ai choisi cet établissement pour son milieu sécurisant. On est dans le 12e arrondissement et c'est vrai qu'on est un petit peu à l'écart de Marseille. On a tout le côté un peu nature et c'est très agréable pour pouvoir étudier.